ce soir, je vous propose un ciné gourmand à la Maison du Diable à Sion. Mais non, on ne va pas manger du cinéma. Quoique, dans un certain sens, oui. Bref, vous verrez bien. La gare est prête, là j'y vais parce que moi je ne veux pas louper une seule miette de cette soirée. Le premier vin qu'on vous a servi après le vin, le fendant, c'est un Aïda, qu'on appelle aussi païen. Je pense que c'est le meilleur vin pour commencer à la Maison du Diable. Est-ce qu'elle est bonne, cette soupe du diable? Elle est un petit peu fade, on lui donnerait un peu plus de croc à ce diable. Pour moi, elle est parfaite parce que j'aime pas quand c'est trop piquant. Moi, ça passe aussi bien, pas de problème. C'est connu comme vraiment un style, une esthétique particulière, venant surtout du cinéma allemand et autrichien, mais aussi en Suisse. C'est un genre qu'on a complètement aujourd'hui banni, parce que c'est considéré comme des films un peu pré-nazis. Vous êtes dans l'aventure de ce ciné gourmand? Comment ça s'est passé? Je crois que c'est plutôt Nicolas Rouillet qui est venu vers vous et qui vous a proposé de mettre en avant la culture à travers la nourriture. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, j'étais très content déjà de la démarche. Au lieu de rester chez lui à pester contre l'Office du tourisme qui ne valorisait pas assez la Fondation Fellini, il est venu vers nous avec un projet et il a fallu au moins deux discussions pour qu'on arrive à finaliser ce concept qui marche très bien. C'est vous qui avez eu cette idée du ciné gourmand? Elle vient d'où cette idée? J'avais envie de rentrer un petit peu dans ce concept de terroir urbain que propose aussi l'Office du tourisme. Alors je me suis rapproché de l'Office du tourisme avec Jean-Marc Jacquot. On a discuté d'un concept d'activité. Il m'a dit qu'il était très content que vous soyez venu le voir avec un projet très précis. C'est vrai? Oui. Alors je suis content. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller et puis dire mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il faut amener des idées, il faut amener des choses concrètes. Voilà, culture et gastronomie, ça fonctionne bien. Pourquoi ça fonctionne bien? Je crois qu'on est toujours obligé de donner quelque chose en plus. On peut commenter les expositions, on peut amener des améliorations multimédia ou autres. Mais des gens qui ne vont pas naturellement à la culture, il faut les attraper peut-être autrement. Alors, je ne vais pas vous raconter de long en large ce film qui est un James Bond assez particulier. Moi, je l'ai choisi parce qu'il était vraiment en lien avec l'exposition de sur la montagne. Alors, bonne projection. Merci. Il y a une vraie intention de lier ce qu'on mange et ce qu'on boit peut-être un petit peu moins, mais ce qu'on mange en tout cas ce soir, à la thématique de l'exposition et à la thématique du film qu'on va voir tout à l'heure, James Bond. Comment il se fait ce lien? Là, on est sur la montagne, donc on a des produits plutôt de montagne. On a quand même pas mal de choses avec du fromage. On cherche que les choses soient un petit peu cohérentes entre elles, les vins aussi. Le vin, c'est un vin de la montagne, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est pas un vin des glaciers, attention, non. Et alors, cette soupe du diable, puisque ça, c'est un petit peu le plat phare, on va dire, hein, et on le retrouve à chaque ciné gourmand. Il est composé par qui et sur quelle base? Alors, je vais pas vous dire, mais il n'est pas composé par le cuisinier. C'est quelque chose qu'on va chercher directement dans le puits à côté de la Maison du Diable. Certaines personnes ont dit que c'était un petit peu fade pour une soupe du diable et qu'elle manquait de piquant. Je crois que quand on a goûté la potion, une fois, on la trouve fade peut-être. Ça veut dire qu'on est déjà pris par la maison. Ah, j'étais surpris, je m'attendais stupidement à ce qu'elle soit chaude. On me dit soupe du diable. Je pensais à une soupe chaude. Je suis très critique, je me disais, il a raison de faire à 30 degrés une soupe chaude. Et là, hop, gazpacho, ah, c'est froid, excellent, c'est une bête. Qu'est-ce que vous avez pensé cette soirée alors? C'était super sympa, j'ai beaucoup apprécié. C'est ma fille qui m'a fait venir de Montreux. Ça fait un moment que je regarde cette Maison du Diable en me disant il faut que je passe, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans. Le cadre est splendide, on apprend plein de belles choses. C'est magnifique, le cadre est magnifique et puis tout l'accueil est super. Je trouve que tout va bien ensemble. On arrive gentiment au terme de la soirée. On n'a pas parlé du prix, ça coûte combien une soirée comme ça? On est parti sur un prix cinéma. On s'est dit 7e art. 7 francs, c'était pas assez. 77. Voilà, donc on a fait 77 francs. Bon, on va boire un petit verre alors. On va boire un petit verre, volontiers. Au cinéma. I don't
Salut Magali. Ça va ? Et toi ? Oh, merci. Viens Magali, je te montre un truc. Juste que je le trouve. En tout cas, Céline, merci de nous accueillir ici, hein, dans ton atelier. En plus, nous, si on a voulu rencontrer Céline Salama, c'est parce qu'elle peint de la nourriture depuis 15 ans. Et franchement, on trouvait ça quand même assez étrange. Du coup, on a voulu savoir ce qui l'a fascinée tant dans le fait de peindre de la nourriture. Ça va être des supports sur lesquels je vais peindre des petits pois. Mais ça ressemble à du tissu, en fait. C'est du tissu que je passe à la photocopieuse. Là, on sera dans les feuilles de haricots, je pense. D'accord. Puis là, peut-être les Smarties ou je ne sais quoi. Alors ça, c'est les sujets. Les sujets. Tu vois, il y a plein de choses en attente. Mm-hmm. Ce sont des vraies patates ? Ouais. Que j'ai laissées amoureusement germer. D'ailleurs, il y en a d'autres. Là, tu vois, je dois les protéger de la lumière. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui te fascine, justement ? C'est beau. En fait, moi, j'ai un attachement tout particulier à l'histoire de l'art. Et la nature morte du XVIIe, il tient une grande place. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, en fait, je retravaillais cette nature morte classique et je piquais soit certains éléments ou plusieurs pour les retravailler à ma sauce. Et donc, la nourriture, c'est un sujet tellement varié, tellement dense et tellement riche que je vais pouvoir continuer un moment à le décliner sous différentes propositions. J'ai pris la nature morte classique, j'ai viré le reste et j'ai gardé les fruits et légumes pour les peindre à même la toile, en les répétant, en les alignant, pour donner un peu ce côté répétition, ornement. Et... Ça, c'est quelque chose que tu as et que tu as gardé, hein, la répétition. Toujours tu travailles là-dessus, toujours, que ce soit sur la nourriture ou d'autres sujets. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté... changeant de la couleur des tomates qui passent du vert au rouge. Mais il y a une fascination pour la nourriture au départ ou moi, pas je, forcément. Moi, je travaille avec le quotidien. Moi, j'ai besoin de regarder quelque chose, de transcrire quelque chose que je vois. Ouais. Donc du coup, bien souvent, c'est des choses qui m'entourent, des choses toutes bêtes, voilà, du quotidien. Donc la nourriture, ouais, ça, il y a une affinité, il y a quelque chose. Après, il y a eu ma visite dans une grande surface où j'ai vu ces assiettes en carton. Et là, en fait, donc je compose ma peinture en fonction de l'assiette, vu que chaque fois, il y a un bord d'une couleur différente. Alors, je regarde qu'elle soit jolie. Jamais lassé, tu continues. Non, jamais. J'ai de la chance. J'ai une chance incroyable de pouvoir peindre et de pouvoir être là à mon atelier, faire mes petites patates dans mon coin. C'est un luxe. Au niveau des prix, ça va d'une centaine de francs jusqu'à plusieurs milliers. Là, ça dépend du format aussi. Parce qu'il y a, voilà, une assiette en carton, elle n'est pas le même prix qu'une toile d'un mètre sur deux. Donc, après, il y a encore la notion de cadre. Alors voilà, le toile à la feuille d'or, il est plus cher que l'assiette. Elle est plus cher que l'assiette, ouais. Nature morte au tandem de pommes de terre germées. Ah, c'est beau.
Alors, il faut les exposer ensemble, c'est ça ? Voilà, ouais, c'est une installation. C'est ça, voilà, tac. Je mets le tabouret là. Extra. Au début, tu te peignais déjà de la nourriture. Ouais. Ben en fait, si tu veux, aux Beaux-Arts, pour apprendre à peindre, c'est soit on faisait des portraits, on posait l'un pour l'autre, et soit on amenait, alors soit on peignait ben, la chaise, le chevalet, ce qui traînait sous la main, ou de temps en temps on amenait un épi de maïs histoire de faire autre chose. Ça, c'est le travail que je fais maintenant. Beaucoup plus voilà, baroque. J'avais des tapisseries en velours, ça faisait 15 ans que je les avais à l'atelier, je ne savais pas quoi faire avec, puis un jour j'ai trouvé. Et je me suis dit, ben voilà, je les photocopie, je peins dessus ben, en fonction du motif de la tapisserie, un piment, une patate. Donc là, Céline, en fait, ces tableaux font partie d'une série que tu exposes en ce moment ? Oui. Alors, j'ai une série de peintures à Sion, à la Grenette, et aussi à Genève, à la Ferme de la Chapelle, à Lancy. C'est les nouveaux membres Visarté qui exposent leurs œuvres à la Grenette. Toi, tu fais partie de Visarté depuis longtemps ? Ben non. Non. Depuis une année et quelques mois. Le vernissage en septembre. Mais je pense qu'on va y aller avec toi. C'est vrai ? On va t'y emmener en tandem, tu c'est m'emmènes. Clair ! On l'emmène en tandem ? Yeah ! Yeah ! Alors voilà, là il y a la série des tissus que j'ai fait dans les années 2007. 2006-2007. Ça, c'est les tissus. Et, surprise. Et la nourriture. Là, c'est les anchois. C'est les anchois, oui. Ouais. Donc, j'avais envie de travailler avec le motif des tapisseries, de trouver des beaux cadres pour encadrer cette belle tapisserie et du coup, de peindre des choses un peu anodines, moins classe. Moins classe que quoi ? Que la tapisserie et que le beau cadre. Donc, ça refait l'équilibre. Sardine sur tapisserie avec beau cadre égale. Égale œuvre d'art. Œuvre d'art, ben voilà. Oui, je me suis occupée de cette exposition, en effet. C'est quoi les difficultés quand tu as 7 artistes, tu dois trouver une petite place, choisir des œuvres parmi des centaines d'œuvres, j'imagine ? Oui, bon, bah, y a un paramètre subjectif, hein, inévitablement. Ça correspond à une sensibilité, à un regard. Donc c'est vrai que moi, j'ai privilégié une certaine sobriété, parce que je me suis dit, voilà, si les tonalités, s'il y a trop de couleurs, ça va être trop contrasté. Et puis, à titre d'exemple, justement, le travail de Céline Salama, il y a beaucoup, beaucoup de petits tableaux. Je les ai vus dans son atelier, j'ai beaucoup aimé. Je les ai immédiatement imaginés voilà, sur les murs de cette galerie. Et puis, donc, il y en avait beaucoup plus. Bon, après, il y a des choses plus là, ou moins. On a des patates que j'aime bien. J'aime particulièrement celle-ci. Ouais. Je la trouve très, très sympathique. Mais voilà, je me disais, est-ce que je la rajoute ? Est-ce que je joue ? Et ça devient tout de suite un peu plus baroque. Toi, tu aimes ces peintures de nourriture ? Je trouve ça drôle, oui. Je trouve ça très drôle. Ce pied de nez aux natures mortes, ce côté très prosaïque, très, très domestique. Je trouve ça très drôle, oui. Ouais. Quand c'est accroché comme ça, toi, ça te
permet d'avoir un autre regard quand même sur tes élèves. Oui, alors clairement, quand elles sortent de l'atelier, je les vois différemment. Mais je te sens émue. Non, mais vraiment, mais c'est vrai, mais c'est une étape. L'expo, c'est... On est tellement tout seul dans l'atelier, on peint égoïstement pour nous, et à un moment, tac, on les sort, on les montre aux gens, elles vont sur d'autres murs, et là, ouais, ça fait quelque chose quand même. Bon, voilà, donc non seulement on a trouvé la grande maison, on a livré Pierrick qui est allé se reposer un petit moment, et maintenant on va profiter de Pascal et Alain qui sont là pour discuter un petit peu de cette grande maison, de cette formule souper spectacle, et puis sans doute bien d'autres choses aussi. À la grande maison, il se passe plein de choses. Et cette grande maison, elle a une histoire qui est liée à ta famille, c'est juste ? Oui, c'est juste. C'était la maison de mes grands-parents. Et puis là, on l'a reprise en 2007 et on en a fait des chambres d'hôtes, un restaurant et maintenant une salle de spectacle. Pourquoi compléter les chambres d'hôtes et le restaurant avec une salle de spectacle ? Le restaurant, pour le dynamiser en semaine, on s'est dit, bon, quelques spectacles, ça serait bien. Et on a eu l'occasion d'avoir des contacts dans le monde du spectacle grâce au baladin. Parce qu'on loge souvent les artistes qui jouent là-bas. On est bien d'accord que pas toutes les personnes qui ont des chambres d'hôtes et un restaurant ont envie de faire des spectacles. Donc il y a quand même quelque chose au départ qui vous a amené vers la culture. On aime bien le monde du spectacle, on aime bien ce milieu-là. On trouve que l'endroit s'y prête vraiment. Après, on ne voulait pas faire une soirée spectacle où les gens mangent à table, parce qu'il y a pas mal d'acteurs, de chanteurs qui refusent de jouer dans des salles comme ça, parce qu'il y a du bruit, les gens ne sont pas à l'écoute. À son retour à Robinsonville, 2 ans plus tard, Robert raconte à ceux qui s'étonnent de le voir soudain virtuose à la guitare que le diable est venu le voir un soir alors qu'il s'était perdu à un croisement de chemin. Le gaillard portait un grand chapeau noir, jouait divinement bien de la guitare, elle lui aurait proposé un pacte alléchant. Et puis après, côté nourriture, donc ce soir, c'est de la raclette. C'est raclette et tartare. Puis c'est quelque chose à part, hein. C'est pas un tout inclus comme on fait habituellement. C'est une formule qu'on essaye d'amener aussi, parce que c'est vrai que ça fait un budget pour certaines personnes de faire un tout compris, hein. Ça fait 80 francs. Donc vous êtes en train de me dire que moi je fais un reportage sur les soupers-spectacles et que ce soir ce n'est pas un souper-spectacle, j'aime bien quand vous dites ça, c'est ça que... Très bien, alors au revoir, merci, on revient une autre fois. Non, on va garder quand même la formule, mais seulement c'est un peu différent ce soir, c'est vrai. Et l'artiste est là systématiquement pendant ce moment d'après-spectacle? Ah oui, ça c'est ouais, une condition. Alors dites-moi, comme on est entre nous, Pierrick il a des petites manies pour manger? Pierrick, oui, il a des petites manies. Il mange pas d'animaux par exemple. Ce qui est déjà pas mal. Le petit truc en plus, c'est vrai qu'on peut nous redonner un peu plus aux acteurs, parce qu'on ne prend quasiment rien pour nous sur les entrées du spectacle. Et nous, on se récupère sur la nourriture et sur les boissons, c'est ça. Mais Pierrick, il est super riche, parce que c'est le fils d'Henri Dess. Je veux dire, Henri Dess, il est riche, donc son fils, il est riche. Il est vraiment riche, parce qu'il n'a pas l'air comme ça. Bon, 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 bon. I wanna shoot you right down, right off your feet. Come home with me, I'll take you in my house. Alors, Pierrick, comment ça s'est passé sur scène ce soir? C'était bien, c'était...
C'est toujours difficile de dire, je peux dire que comment je m'en suis senti, je me suis senti bien. Dans ton spectacle, tu astiques le rock'n'roll, pourquoi tu avais envie de faire ça en fait? Parce que c'est mon sujet de, c'est un de mes sujets de prédilection. Le rock'n'roll commence à devenir un peu ancien et il y a un tas de gens qui ne connaissent pas ces histoires-là. Ils connaissent le rock de maintenant, des années 90, mais le rock'n'roll, on connaît Elvis, tout ça, on voit plus ou moins ce qu'il fait, mais... rentrer un petit peu dans le détail, dépoussiérer tout ça et transmettre des histoires souvent abracadabrantes, je trouvais ça fun. Si on te dit formule, soupe et spectacle, bien, pas bien? Alors a priori, ça ne me parle pas, mais ici, c'est génial. Parce que j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois avec Avracababrac. Et à chaque fois, on a joué deux ou trois soirs de suite et les gens viennent regarder le spectacle. Après, ils mangent, on mange avec eux, on peut rigoler, faire connaissance, ou faire de la musique, et rester avec les gens, et ça c'est génial. Sans la nourriture, ça ne le ferait pas? Si, mais on serait plus vite bourré. On s'est rendu compte, en commençant à travailler sur la culture et la nourriture, que tout le monde mettait de la bouffe partout. Bon, bah nous, on a choisi que trois événements parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on aurait pu en faire encore au moins 10. Ouais, peut-être c'est pour la saison 2. Ah, je crois qu'il y a... Oh, nos raclettes, oui. Bon appétit. Voilà. Santé, santé. Steak numéro 3. Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. T'as eu déjà une raclette, toi? J'ai eu déjà une raclette, ouais. Même une avant. J'ai une digestion difficile, alors je préfère faire ça après. Pour de vrai? Ouais. J'évite des gargouillements, des trucs, des flatulences. This is a tasty burger. Ah ouais? L'aérophagie, ce genre de trucs. Alors je préfère manger après. Ça décongestionne. Pousse. Aide. Marcello, tu veux du boudin? Non, ça va pas être possible. Ouais, passe devant, c'est bon. Viens. Je vais dans ma chambre. Bien? Bon? Attaché culturel, c'est distinguer ta façon de manger. Oh! On dirait une pelleteuse. Non. Tout va bien. Ok, ça va bien pour ce soir. Merci! Bonne soirée! Merci. Oui! Oh mon Dieu! Oh oui! Donnez-moi la même chose qu'elle. Après, voilà, savoir à quel stade on veut peindre le poisson, si on le veut, si on le veut tout frais ou pas. Oh, Brice, sauve-moi, rends-moi la liberté. Allez, d'accord. M'appelle Bryce. Bon appétit. Et tu bois de l'eau, non, c'est pas classe. Non, c'est pas classe, je sais. Mais c'est comme ça, trop de vernissage. Merde. J'ai l'air con, là, j'ai l'air alcoolique. Santé. T'as l'air alcoolique, ouais. Eh ben, tu assumes. Dis à la caméra que tu es une alcoolique. Voilà. Assumer son problème de boisson. Santé. Il paraît que le bleu, c'est une couleur qui coupe l'appétit. C'est vrai? Bon appétit.